Je joue ma saison hivernale sur cette course. Terrible. Allez, réagis, mais doucement, allez. Vraiment, cette course, c'est un calvaire. Allez, c'est maintenant, là, allez, allez. Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est à Lyon pour le meeting national indoor de Lyon où je serai sur 3000 mètres. Alice, juste ici, elle sera sur 1500 mètres. Ça sera à suivre ce soir, là. Et j'espère que ça se passera bien. Ça va être une très très belle course. Normalement, aujourd'hui, notre objectif, c'est essayer de se rapprocher des minima et essayer de se qualifier au championnat de France élite ensemble, Alice sur 1500 et moi sur 3000 mètres. Et je pense qu'il faudra au moins aller chercher nos records pour ça. Donc, très très belle vidéo normalement à suivre. Suivez ça. Bon visionnage à vous les refs. C'est parti. Donc là, arrivé à la salle. On va aller déjà prendre nos badges et après prendre aussi nos dossards. C'est parti. C'est bon, on a les dossards. Bon ton dossard. Ah, il est rangé dans mon sac. Arrivé des dit, wesh Luc. Où ça? Tranquille? Ouais. Bon, là pour l'instant on est arrivé hyper tôt, donc il n'y a que les juges la plupart du temps. Comme vous pouvez voir, les gens en bleu. Un peu. Voilà donc la salle de Lyon. Il y a des gens. Il y a quoi? Il y a plein de gens qui ont un t-shirt Menil. Tu me pourras demander pour ta série. Pour changer de série. Mais non, mais. Je peux pas demander à n'importe qui. Je vais demander au monsieur en bleu là-bas, là. C'est écrit TV dessus. Encore what? Il est toujours là. Toujours là. Toujours la banane. Ça. Le chef va partir. Et c'est pas ça l'idée. Allez, c'est parti. Allez Alice, allez! Par des compétitions comme celle-ci, et pour ça, merci aux organisateurs de nous permettre de vivre de tels moments et de monter de tels événements pour ces jeunes femmes et puis pour ces jeunes hommes. Allez Alice, allez! Allez Alice, allez! Allez Alice, allez! Réagis mais doucement! Allez Alice, allez! Allez Alice, c'est parfait! Allez, on remonte! Allez Alice! Hé, hey, c'est maintenant qu'il faut réagir! C'est maintenant! Allez! On arrive au 1000. Le dubé à Mélan Diaz. Le 1000 en 3. Filippo. Alice Paris, Alice Filippo profite du trail. On va faire encore. Allez,
C'est parti alors pour ce 3000 mètres du meeting de Lyon. Sachant que le Lièvre allait partir sur les bases de 8 minutes 5, je me dis que c'est peut-être mieux que je suive, mais de loin. Ça veut dire que si eux, ils passent en 2.41 au 1000 mètres, moi je passerai normalement en 2.42, 2.43. La course est bien partie avec un premier 200 mètres du Lièvre en 30 secondes. Moi qui suis en coup de peloton, je passe en 31. C'est un peu plus rapide que les allures, mais c'est normal, c'est le premier 200 mètres. Après ça, normalement ça va ralentir. Mais ce n'est pas du tout ce qui va se passer. Avec un passage aux 400 mètres du Lièvre en 1.2, et moi qui suis bien derrière, je passe en 1.4, le rythme ne ralentit pas du tout. Par peur de partir sur un faux rythme, j'essaye de prendre mon propre rythme en me disant que ça va ralentir à un moment. Et que moi qui suis parti un peu moins vite, bah je vais être plus frais que les autres qui sont partis trop vite. Sauf que ce n'est pas du tout ce qui va se passer et l'écart ne fait que augmenter. Le rythme ne ralentit pas du tout. Le Lièvre passe alors en 2 minutes 39 au 1000 mètres et moi qui suis derrière, détaché du groupe, je passe en 2.42. C'est le rythme que je voulais, hein. Mais étant détaché tout seul, je me disais que ça allait être dur après ça. La course continue et je me retrouve alors à vraiment faire une course solo. Je me bats contre moi-même, mais c'est très difficile de garder le rythme. À un moment, je commence à rattraper un autre athlète, sauf que celui-ci abandonne juste avant que je le dépasse et je me retrouve toujours derrière et la course continue comme ça. Je suis vraiment plus dedans. J'essaye de finir tant bien que mal. Je ne vous mens pas que j'ai beaucoup envie d'abandonner pendant la course, mais je me dis que vu le voyage que j'ai fait et tous les encouragements des gens qui étaient autour, valait mieux que je finisse au moins la course. Donc j'ai fini la course en 8 minutes 32. Exceptionnel cette fois. Bon bah j'ai fait une course et une séance là, j'ai fait une séance tout seul. C'est horrible, vraiment pas. Et ils sont partis trop vite, c'est quoi cette série de merde? Vraiment. Le Lièvre il devait partir en 8, en allure 8.5, ça veut dire 2.41, 2.42. Ils sont 2.39. Moi je suis dernier de tout le truc alors j'ai même pas essayé de partir vite quoi. Terrible, terrible, terrible. Vas-y, on en parlera après parce que là je suis un peu fatigué. Bon, petit retour à froid de cette course. Franchement c'était terrible, on va pas se mentir, c'était un carnage. C'était impossible de faire de mon mieux. C'était pas une course du tout qui me permettait de m'exprimer. Ça me fait vraiment chier parce que c'était vraiment une course qui allait décider un peu de ma suite de saison. Mais aussi, en fait, cette course-là, elle a pas décidé de ma suite de saison puisque là il y a un nouveau circulaire qui vient d'apparaître qui interdit aux étrangers, comme je suis étranger. Aujourd'hui, j'ai pas la nationalité française, je ne peux pas courir au championnat de France Elite. Il vient tout juste de sortir, je crois. Je viens de le regarder sur Twitter, donc je sais pas s'il était déjà, mais en tout cas, pour les élites cet hiver, je ne pourrai pas courir de toute façon aux élites. Donc, j'ai le seum, j'ai beaucoup le seum, parce que même si je veux retenter quelque chose, bah, de toute façon, il n'y a pas de but après. En tout cas, ouais. Ouais, j'ai pas mal le seum par rapport à descendre jusqu'à Lyon. C'est très difficile de faire la part des choses, de se dire que c'était pas la bonne course au bon moment. Il faut que je revienne à l'entraînement, il faut que je retrouve d'autres courses. Là, ça va être difficile de retrouver une autre course un peu dans le même truc. Je pense aussi que la course s'est passée comme ça, surtout parce que l'organisation, on va dire, des séries n'était pas bonne. Je pense qu'il y a des mecs qui étaient en série 2 qui devaient être en série 3. Et ça nous aurait aidé, ça les aurait aidés. Et le Lièvre qui passe trop vite, c'est difficile de faire la part des choses. Là, vraiment, j'essaye de me remotiver. Demain est un nouveau jour. On va essayer de souffler un peu.
Je sais pas où je vais courir prochainement. Je sais même pas si je vais courir prochainement. En tout cas, ouais, ça me met un coup au moral. Parce que là, en plus, je l'ai appris ce matin qu'on n'avait pas le droit, en plus, d'aller aux élites en tant qu'étranger. Mais bon, faut qu'on se dise que le plus important, c'est de progresser, c'est de continuer à s'entraîner dur. Et c'est ce qu'on va faire. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là quand même. Bah, il y a des jours comme ça. Il y a des jours où ça ne passe pas. Il y a des jours où on peut pas s'exprimer. Et ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Et enfin, demain est un nouveau jour. Et on va faire en sorte qu'il soit beau. Donc prenez bien soin de vous. C'était Mousse pour Mousse Live. Genre, t'as fait un truc, genre. Qu'est-ce que tu fais? J'ai zoomé sur le nageur. Non, mais il zoome pas. Oh non! Dommage.